Est-ce que tout le monde connaît Pierre Bordage et Sylvie Lainé? Pas encore. Ouais, il y a des livres là. Ça va aller vite. Pierre, vous avez, et si vous ne l'avez pas encore fait, il faut absolument lire Les Guerriers du Silence, qui a 25 ans. 24. Ne vieillit pas trop. Ouais, pardon, excusez-moi. Donc, Les Guerriers du Silence, qui n'a que 24 ans. Il faut aussi lire Wang. Il faut lire La Fraternité du Pancar, grand space opéra, qui a quelques années, pas très loin. Il faut tout lire. Donc, Pierre Bordage. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez le space opéra. Il y en a combien, en fait? Il les a tous lus, il m'a dit, il y a tout le monde. C'est vrai? Ouais, il y a tout le monde. Est-ce que vous avez lu hier, je vous donnerai des nouvelles? Ouais. D'accord. Ah, d'accord, il y a tout lu. Voilà. C'est de piéger, hein. On va donc parler science-fiction, 25 ans, quarantaine de livres. 50? On n'en était que 40. 50. Après, 50. Ça dépend si tu comptes les cycles en un livre. Ouais, c'est ça. Avec en plus de la jeunesse, avec bientôt de la fantaisie chez nos camarades de Bragelonne. Ouais. Et Pierre, qui est aussi auteur de grandes sagas, mais aussi de recueils de nouvelles, vient de sortir aux éditions de La Talente ce petit recueil dont on va parler. Beaucoup de science-fiction, un petit peu de fantaisie. Ouais. À l'intérieur. Et puis à ma droite, à votre gauche, donc. Sylvie, l'aînée, auteure presque locale, puisqu'elle est de Lyon, donc c'est pas très très loin. Voilà. Surtout quand la SNCF est de bonne humeur. Voilà. Normalement, c'est pas très très loin. Tu as déjà vu la SNCF de bonne humeur? Ça peut arriver. Auteur de science-fiction, auteur plutôt de nouvelles et essentiellement de nouvelles, qu'on suit aux éditions ActuSF depuis plus de 10 ans maintenant. Dix ans, que le premier recueil est arrivé en 2007. Et là, on fait l'intégrale de ces quatre recueils de nouvelles en un seul et même bouquin qui s'appelle Fidèle à ton pas balancé. Pas très joli chez vous, sur votre salon, vous allez voir, c'est trop bien. Pour commencer, et c'est marrant parce que quand deux écrivains se rencontrent dans une voiture, on commence déjà à parler d'écriture. Donc on a déjà fait la conférence. Hein, pour de vrai. Peut-être on va juste commencer sur vous. La raison pour laquelle vous écrivez de la science-fiction, et puis après on va dériver un petit peu sur vos ouvrages. Qui veut commencer? Allez, Sylvie. Alors, pourquoi de la science-fiction par rapport à du mainstream? Oui. Alors, parce que ça me permet de parler de tous les sujets dont je pourrais avoir envie de parler, mais de le faire en les renouvelant, en changeant un peu le point de vue, en décalant quelque chose. Donc du coup, je peux parler de choses qui seraient peut-être convenu ou banal si je les prenais au premier degré et sur le plan du quotidien, et ça les renouvelle complètement. Et pour moi aussi, c'est génial de les prendre sous cet angle-là, parce que en général, je parle. Enfin, moi, ce qui déclenche l'envie d'écrire une histoire, c'est de me trouver face à quelque chose que je comprends pas ou que je n'accepte pas. Et de le prendre sous l'angle de la science-fiction, ça résout rien, mais ça permet de prendre le problème différemment, de le voir sous un autre angle. Et du coup, c'est une libération quelque part, même si c'est pas une exprimée, même si ça n'apporte pas de solution pour autant. Et la science-fiction, plutôt que de la fantasy ou un autre genre de l'imaginaire, bah, c'est peut-être parce que déjà je suis une scientifique au départ, que j'aime bien que... Oui, mais j'assume, on se battra après si tu veux. Et j'aime bien la cohérence. C'est pour moi ce qui fait tenir la fiction. J'aime bien que ce soit cohérent et crédible à tous les niveaux, et que ce soit aussi cohérent du point de vue du cadre, de la société, de ses échelles de valeurs, de ses mécanismes, de ses règles. Et la science-fiction m'oblige à travailler ça, donc j'aime bien les contraintes quand elles facilitent la créativité. Pierre? Alors c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, mais pourquoi vous écrivez de la science-fiction? Il y a tellement de choses à dire sur notre monde et tout. Et puis je savais pas pourquoi j'en faisais, enfin ça me plaisait tout simplement. Hein. Parce que mon premier livre de science-fiction que j'ai lu, qui est assez tardivement, à l'âge de 19 ans, c'est Chronique martienne de Ray Bradbury. Et j'ai éprouvé immédiatement un vertige, c'est-à-dire un décollage de mon réel pour partir très loin dans l'espace très rapidement. Un toboggan, c'est comme un effet toboggan que j'adore en fait, que j'ai relié aux mythologies que je disais quand j'étais enfant, qui me créent ce même effet de vertige.
Et après, en réfléchissant, donc naturellement, découvrant la science-fiction et cet effet que ça procurait, je me suis mis à en écrire, parce qu'en tant qu'auteur, je voulais prouver ce même vertige. Et puis après, en réfléchissant, ça m'arrive, pas longtemps, à force de me poser la question de savoir pourquoi j'écris la science-fiction, j'ai vu trois attraits au genre. Premièrement, proposer un merveilleux voyage. Un voyage extraordinaire au sens de Jules Verne, donc cet effet vertige dont on parlait tout de suite. C'est-à-dire qu'on va être décollé de son réel. Deuxièmement, quand on est décollé de son réel, et c'est là où on peut rétorquer ça aux gens qui disent qu'on ne parle pas de notre présent, on parle beaucoup mieux du présent. C'est-à-dire que le décalage permet de voir, comme disait Sylvie, les problèmes les germes dans notre présent de façon nouvelle. C'est l'effet fourmilière. Si vous montez au haut de la fourmilière, vous voyez les mouvements d'ensemble qui se passent, vous pouvez presque être, vous placer en sentinelle pour amener une réflexion au lecteur. Donc, voilà. Je vais prendre un exemple, les OGM. Bon, voilà, on ne prend pas dans la réflexion pour des motifs évidemment économiques. Seuls les auteurs de science-fiction prennent cet espace de réflexion pour pouvoir dire, on se projette dans 200 ans, qu'est-ce qui va se passer si les OGM s'imposent. Donc ça, c'est très intéressant. On a vu les deux grands exemples, c'est Le meilleur des mondes et 1984, où on a à la fois la biotechnologie et puis la surveillance globale qui sont abordées longtemps à l'avance par des auteurs de SF. Non, c'est très bien. Troisième intérêt, et là je relis directement mythologie, c'est l'interrogation philosophique fondamentale, ou l'interrogation spirituelle, ou l'interrogation métaphysique, si vous mettez le mot que vous choisissez, c'est-à-dire que ça reprend les vieilles thématiques déjà abordées par la mythologie il y a fort lointain, comme disait Shrek. C'est une référence. C'est très intelligent quand même. Hein, alors l'exemple que je donne souvent, c'est le mythe de Gilgamesh, le mythe sumérien, qui aborde le problème de l'immortalité. Peut-on trouver l'immortalité? Comment? Etc. Or, nos sciences biotechnologie, par exemple, nous amènent à se poser ces questions sur l'immortalité. Donc la science-fiction réfléchit sur des thèmes qui sont déjà très anciens et qui apportent aussi une réflexion de nature plus philosophique, plus fondamentale que les problèmes en germe dans le présent. Voilà. Donc trois intérêts qu'on retrouve dans le genre et qu'on a du mal à retrouver ailleurs. C'est vrai que je viens de faire de la fantasy, donc j'ai trahi le genre. Dans la fantasy, on est plus branché directement sur la mythologie, donc c'est plus une interrogation sur les choses fondamentales de l'être humain, dans tous ses états, hein, avec ses archétypes. On travaille beaucoup les archétypes en fantasy, qui sont le guerrier, le mage, etc. Et donc c'est un autre type de réflexion qui m'intéresse aussi beaucoup. Non, mais en fait, j'ai du mal à écrire. Je suis en train d'en faire un là quand même. J'ai eu du mal à écrire sans qu'il y ait un petit décalage imaginaire qui donne un peu de piment à la chose. Quelle est la part entre l'intention de parler d'une problématique réelle ou de science ou d'OGM par exemple ou de choses comme ça et la part de l'histoire? Qu'est-ce qui prédomine au début d'une nouvelle ou d'un roman? L'intention de parler de quelque chose ou une idée d'histoire? Ça dépend des nouvelles. Moi, c'est assez rare que ce soit un élément scientifique qui me fasse démarrer. En général, c'est un élément humain. J'aime bien mettre des personnages, les confronter à des gens qui ont des cultures différentes, des manières différentes d'appréhender le monde. J'aime bien les vertiges culturels. J'aime bien relativiser l'échelle de valeur ou la morale qu'on a en utilisant des espèces un peu différentes ou des sociétés qui sont basées sur d'autres principes. Mais il y a eu au moins une fois où je suis partie sur ce principe-là pour une nouvelle récente qui s'appelle Le Karma du chat, qui était dans la revue Galaxy. Mais je ne suis même pas sûre que j'avais envie de parler de technique. J'avais envie de parler de domotique, c'est-à-dire d'une maison qui serait peuplée d'appareils et même d'animaux qui sont des petits robots. Mais en fait, ce n'était pas eux qui m'intéressaient. C'était la manière dont les propriétaires de la maison avaient envie d'interagir avec ces créatures-là. Et mon point de départ, c'était... Il y a de plus en plus de gens qui ont une philosophie, un rapport au vivant un peu bouddhiste, en retrouvant des valeurs de respect de la vie, quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes. Et je trouvais très intéressant d'imaginer que cette espèce d'empathie avec l'univers, ils l'avaient avec leur petit robot, avec l'aspirateur, avec le réfrigérateur, avec le chat qui est un minou 2.0. Et ça permettait, bon je ne vous dis pas comment ça se termine, mais ça
c'était une situation extrêmement intéressante comme point de départ. Je pense à la nouvelle, par exemple, Opéra de Chania, où il y a beaucoup de questions de génétique et d'échange d'ADN. J'y connais rien en biologie. Hein. Quand j'ai dit que j'étais scientifique, moi, je viens plutôt de l'informatique. Donc, la biologie, je suis nulle. Juste pour l'Opéra de Chania, donc, une jeune femme qui arrive sur une planète où elle va échanger un petit peu d'ADN avec la faune, la flore. Pareil, on parle de génétique, on a une vraie histoire. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement, de cette histoire-là? Je crois que j'avais envie de parler de rencontres. De la manière dont on essaie de s'adapter aux gens qu'on rencontre, si on a envie de vivre une histoire d'amour avec eux, par exemple. Mais dans mon histoire, c'est devenu biologique littéralement, c'est-à-dire que la planète vit des genres d'histoires d'amour avec ses visiteurs en intégrant un peu d'ADN de manière à se transformer. Et c'est peut-être une histoire science-fiction au premier degré, mais en même temps, moi, je l'ai écrit un peu comme une métaphore de la rencontre. Et ça permet d'explorer quels sont les pièges vers lesquels on va quand on essaie de faire vivre une relation en s'adaptant à l'autre et en essayant de lui ressembler. C'était un peu ça dont je parlais, en fait. Et ça se passe plus ou moins bien, parce que je ne sais pas s'il y a de bonnes solutions. Moi, je n'ai pas encore trouvé, c'est un aveu public, mais je n'ai pas encore trouvé comment on faisait pour vivre une histoire d'amour longue, réussie et pleinement satisfaisante. Donc ça fait partie des trucs que je cherche dans mes histoires. Et je fais des expériences de tout ça. Pas forcément que avec des êtres humains. On peut faire ce qu'on veut dans la fiction. Pierre, même question. Alors sur le décalage entre qu'est-ce qui prédomine dans un récit que tu vas raconter, est-ce que c'est l'histoire ou l'envie de parler d'un sujet? Alors ça dépend des moments et des périodes. Ouais. Parfois ce sont les personnages qui m'imposent leur histoire, mais j'ai envie de partir avec des personnages, c'est donc l'élément humain qui prédomine. Ça c'est l'Église du silence par exemple, j'ai envie de partir avec des personnages. Quoi. Et parfois ça va être un déclencheur différent, alors la lecture de Jérémy Rifkin sur le siècle biotech m'avait inspiré un bouquin qui s'appelle Les fables de l'impur, qui est une réflexion sur la chimère. Donc là, je suis parti avec cette idée-là en tête, et puis c'est l'univers qui s'est créé à partir de cette idée, ou bien dans la trilogie des prophéties, ou bien où c'était les relations entre les religions, enfin, que je voyais poindre des religions et des guerres de religions futures, qui m'a inspiré l'évangile du serpent, l'évangile de l'abîme et les chemins de Damas, qui est plus une réflexion sur le poids des religions dans notre société, sur la place qu'elles occupent, etc. Et sur les dangers qu'elles peuvent créer pour les sociétés diverses. Et après, les personnages sont venus. Donc ça dépend vraiment des moments. Je suis en train de réfléchir sur Wang. Par exemple, Wang, c'était une réflexion plus géopolitique sur la séparation nord-sud, richesse, pauvreté, protection, mur. Ouais, ça rappelle des choses, on va faire des murs, là, on refait des murs. Et je pense qu'il y a toujours cette tentation du mur, qui à mon avis est un grand aveu d'échec de la civilisation humaine. Dès qu'on fait un mur, ça veut dire qu'on se retire, on se retranche. C'est une illusion, non seulement c'est une illusion, mais c'est une insulte. Et voilà, donc Wang, toute la thématique de Wang est venue sur cette réflexion-là, c'est-à-dire une grande barrière électromagnétique qui empêche les migrants d'entrer en Occident, évidemment, ils sont attirés. Tout le temps, des portes s'ouvrent et les migrants entrent en masse pour des usages qui sont à découvrir par la suite. C'est pas forcément très agréable. Donc, ça dépend vraiment. Quoi. L'angle d'attaque, il est différent selon les projets, les sujets, les envies. D'accord. Monsieur, oui. T'as dit que tous les deux, un des points communs de notre présence ensemble aujourd'hui, c'est le fait qu'on est tous les deux en train d'écrire des nouvelles en ce moment. Enfin, moi, je fais que ça. Et Pierre, Pierre disait dans la voiture qu'il commence à apprécier d'écrire des nouvelles et à trouver ça agréable. Et justement, l'intérêt des nouvelles, tu seras d'accord, puisqu'on le disait dans la voiture, c'est que l'intérêt des nouvelles, c'est que on peut varier les projets. On n'est pas on peut avoir toutes sortes de projets, ce n'est pas des projets qui nous occupent pendant des années et des années. Donc justement, c'est une bonne manière de faire des expérimentations, la nouvelle. Alors, ce qui est intéressant dans la nouvelle, moi je ne suis pas un novelliste naturel, je suis venu par le roman, la nouvelle, il fallait que je sois provoqué. C'est-à-dire qu'on me dise, on aimerait bien que tu fasses une nouvelle sur tel sujet. Chiche.
Et à la limite, j'aurais aimé qu'on me demande à faire un truc sur le bottin mondain, le bottin téléphonique, pour voir si je pouvais en tirer quelque chose d'intéressant. Parce que c'est des sujets que j'aurais jamais eu l'idée d'aborder sinon. Et donc, souvent, il y a beaucoup d'anthologistes en science-fiction, il y a beaucoup de sollicitations pour les nouvelles, pour les auteurs. Et donc, on nous dit, si tu voulais faire une nouvelle sur tel sujet, là, par exemple, là, il y a, dans le recueil, là, hier, je vous donnerai des nouvelles, il y a plusieurs nouvelles qui sont issues des anthologies des Imaginales, où on nous imposait deux figures archétypales de la fantaisie. Donc, Reine des Dragons, Reine des Dragons, Reine des Dragons, Assassin et... Non, Elfe et Assassin. Bourreau et Assassin et... Non, Bourreau et Victime, Bourreau et Victime, Elfe et Assassin, etc. Et ça m'intéressait beaucoup, parce que je ne serais jamais allé m'affronter à ces archétypes-là, de mon gré. Donc là, je me suis mis dans l'obligation d'écrire quelque chose là-dessus. Et, ça, et vraiment, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que la forme courte permet d'explorer l'écriture sous toutes ses formes, de tenter des choses, parce qu'il y a moins d'investissement émotionnel que dans le roman. Où on va ah, ça, je conteste. Hein, l'investissement émotionnel, il peut y être. Mais sur moins longtemps, en tout cas. Oui, ce que je veux dire, c'est que si tu rates ton effet dans la nouvelle, c'est pas très grave, t'as pas perdu trop de temps. Avec un roman, si tu le rates, t'as perdu plusieurs mois. Ce qui est une grosse différence. L'écriture sous contrainte, comment est-ce que tu t'organises? Je pense notamment à une nouvelle qui s'appelle Toi, que j'ai bu en 4 fois. Ah oui, alors là, c'est toi le responsable. Ouais. Mon éditeur préféré nous a mis au défi d'écrire des nouvelles érotiques. C'est un sacré défi d'écrire une nouvelle érotique. Je sais pas c'est le pire des défis. Je crois. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a des règles à respecter, mais qu'on n'a pas forcément envie de tomber dans la trivialité, qu'on a un problème. Moi, j'ai eu un problème très concret de vocabulaire. Je ne savais pas quel niveau de vocabulaire employer pour que ça sonne comme je le souhaitais. Et surtout, j'avais envie d'écrire une vraie histoire de science-fiction. Donc, ça en faisait un sacré paquet des contraintes. Eh bien, plus il y a des contraintes, plus l'exercice est difficile. Je suis comme Pierre. Plus je me régale à aller jusqu'au bout. Et quand on réussit à faire un truc qu'on n'aurait jamais imaginé faire un jour, le plaisir, il est 10 fois plus grand. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais, sur l'émotion. À la fois en tant que lectrice et en tant qu'auteur, je suis autrice, ça ne sonne pas bien. Pour moi, la charge d'émotion, elle est bien plus intense souvent dans la nouvelle que dans le roman. Parce que dans la nouvelle, on est complètement immergé. Si on fait la comparaison avec une piscine, pour moi... un roman, c'est un truc dans lequel on rentre tranquillement, l'eau est un peu froide, et on se mouille, voilà. Et on y va en douceur, on n'a pas un gros choc thermique. Ah non, parce qu'il en faut. Alors que la nouvelle, on plonge direct. Donc c'est assez brutal en général. Et moi, ça fait partie de mon plaisir, l'immersion brutale. Enfin, pas dans l'eau froide, mais dans une bonne fiction, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Je pensais à investissement émotionnel long. Enfin, le roman, tu suis des personnages sur une longue distance. Et c'est un investissement de temps, d'énergie, qui fait que tu as intérêt et l'éditeur aussi à ce que ce soit réussi. Une nouvelle, si elle n'est pas réussie, c'est pas très grave. Moi, j'ai pas perdu trop de temps. Tu vois, c'est aussi con que ça. Et pour moi, la nouvelle, c'est une mécanique de précision aussi. C'est quelque chose qui va être très très dégraissé, très très direct, très abrupt. Et c'est pour moi vraiment un formidable exercice de laboratoire d'écriture parce que justement, ça permet d'essayer des choses qu'on n'oserait jamais essayer dans le roman, de peur de frôler le roman si on y met trop d'audace. La nouvelle, on peut se permettre toutes les audaces, puisque si la nouvelle est ratée, elle est ratée. Bon, voilà, l'éditeur nous verra, elle est ratée, et puis on n'a pas perdu trop de temps. C'est vraiment une question de temps, quoi. Moi, combien de temps tu mets pour écrire une nouvelle? J'en ai... Ça n'a rien à voir avec leur longueur. Il y en a que j'ai écrit en 8 jours et il y en a que j'ai écrit en 3 ans ou 4 ans. Donc, Ah ouais, c'est pas rentable ton truc. C'est absolument pas rentable. Je te déconseille totalement d'essayer de vivre en étant auteur de nouvelles. Moi, comme j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, je vais quand même...
j'ai un travail qui m'occupe beaucoup à côté. Je ne consacre du temps et de l'énergie à écrire une nouvelle que si j'ai vraiment envie de l'écrire. C'est-à-dire que si la nouvelle ne m'enthousiasme pas, je ne dépasserai pas la première page. Jamais. Si j'ai l'énergie d'aller jusqu'au bout, c'est que au moins moi, elle me passionne. C'est aussi pour ça que je ne vous dirai pas combien d'années j'ai mis pour écrire ça. Bon, certes, c'est un joli pavé. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait un pavé un jour. Mais si je vais vous le dire, ça fait quand même 30 ans que j'écris pour sortir ça. Donc là, c'est pas une grosse productivité. Toi, c'est 3 mois. Pierre, c'est 3 mois. Je parle pas des délais parce qu'après, les éditeurs, ils vont tirer des conséquences. Ils s'aperçoivent que je bombe souvent. Tu devais le rendre pour la semaine prochaine, non? On a eu cette discussion-là sur les délais aussi. Je sais qu'il fallait diviser par 3, mais l'éditeur doit diviser par 3, ce que je dirais l'autre, puis retrancher 20 en plus. Enfin, parce que je dis l'auteur. Mais c'est au moins aussi sur les délais qu'on vous donne. Enfin bref. Parce que ils donnent une deadline, par exemple en juin, sachant que pour eux c'est le novembre. Une marge de sécurité. Tout le monde triche en fait. Et là on est vraiment. C'est pas un joli milieu hein, tout ça. Non, c'est des failles temporaires. L'éditeur est sévère, mais juste quoi. Oui. Évidemment. Je reviens sur les thématiques. Du recueil et sur la petite cuisine de l'inspiration. Dans ce recueil, il y a notamment 3 nouvelles autour des migrants et de l'immigration. C'est donc, peut-être que tu peux nous en parler, une thématique qui te porte en ce moment. Est-ce que ça veut dire que tu scannes aussi l'actualité, t'en prends des brides hein? Oui, il est évident que l'actualité a une influence. C'est le bruit du monde, et le bruit du monde, il rentre dans le cerveau, puis ça fait de la mélasse là-dedans, et puis ça ressort d'une façon ou d'une autre après. Ce qui m'intéressait par rapport aux migrants, il y a une sorte d'égoïsme global, général, qui fait qu'on ne veut pas partager ni les bouts de terre, ni les ressources, mais globalement dans le monde, hein. Il n'y a pas que les histoires de migrants. Mais je me suis dit, finalement, les choses peuvent être renversées à tout moment. C'est-à-dire qu'à un moment, ça peut être nous, les Américains, ou d'autres peuples qui auront besoin de migrer. Pour une raison, pour des catastrophes climatiques, pour plein de raisons. Et ce qui est d'ailleurs décrit dans Le Jour d'après, le film, où les Américains sont obligés de se réfugier au Mexique. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme idée, parce qu'il y a toujours des renversements possibles liés aux aléas de l'évolution. Donc, c'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que si nous, on se mettait dans la peau du migrant, comment est-ce qu'on vivrait les choses? On se trouverait probablement légitime en tant que migrant. Et ceux d'en face ne devraient pas légitimer du tout, mais nous canarderaient avant qu'on puisse. Puis pour les nouvelles que j'ai écrites là, il y avait aussi l'idée de renverser le rôle. C'est-à-dire que les Américains sont perçus, ce sont les Américains qui émigrent en Europe hein, par bateau, ils sont perçus comme des parasites, alors que quand ils sont venus en 1945, c'était des sauveurs. Donc c'était juste pour renverser les perspectives. Ça me paraît toujours intéressant de renverser. Ce que permet beaucoup le genre SF, c'est de renverser les perspectives. C'est-à-dire quand on se met à la place d'un alien, quand on. Tout ça, ben, on se rend compte que finalement, nos systèmes de pensée sont un peu étriqués, un peu tout faits, un peu difficiles à bouger. Et donc l'ASF a cette particularité d'essayer de faire bouger les lignes, de déplacer le point de vue, ne serait-ce que d'un degré ou deux degrés, pour permettre de voir les événements sous un angle différent. Et ça, c'est. Ça fait vraiment la beauté du genre. C'est une thématique qui revient à 3 reprises, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça veut dire que quand tu as écrit la première nouvelle, tu avais l'impression de ne pas avoir tout dit, tu avais besoin d'un deuxième texte? C'est des circonstances, tout ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un novelliste naturel. On m'a donc invité à faire une nouvelle sur la guerre climatique. Donc cette nouvelle, j'ai écrit cette nouvelle qui n'est jamais, ça s'est pas fait, le recueil s'est pas fait, donc la nouvelle n'avait jamais été publiée. Et puis Libération m'a demandé un texte sur la même chose, sur le climat, ce que ça pouvait devenir. Donc j'ai renversé la perspective. Dans la première, ce sont des migrants, on les voit dans leur bateau, et l'accueil que leur fait la bonne vieille Europe, c'est-à-dire des coups de fusil, tous les coups de Kalachnikov, c'est russe. Et ensuite, pour la nouvelle de Libé, je suis parti du principe qu'on voit du côté de ceux qui sont chargés de surveiller les plages et qui vont tirer sur les gens qui arrivent.
Sauf que, bon, on ne dit pas la fin du nouvel nouvelle, parce que, voilà, il y a eu une petite pirouette finale. Oui. Oui. Il ne veut pas le dire. Donc la pirouette finale, c'est le colonel qui a fait le meurtre. C'est toujours lui. C'est toujours le colonel Moutarde, quoi qu'il advienne, avec un chandelier. Sylvie, pareil, sur les idées qui prédominent, là on voit qu'il y a un rapport à la qualité qui est fort. Comment est-ce que toi, ça, la petite cuisine de l'intuition, tout le moins de la création? Ouf. Alors là, je me rappelle d'une interview que j'avais fait de Robert Sheckley, à qui j'avais posé cette question-là. Je lui avais dit, en gros, le truc qu'on a tous envie de demander, d'où te viennent tes idées, comment est-ce que les idées arrivent. Vu, surtout, je l'ai dit différemment. Oui. Non, mais c'est une super question. Mais où allez-vous prendre tout ça? Je ne sais pas si vous connaissez Robert Sheckley, c'est un nouvelliste, mais c'est un des grands humoristes de la SF, qui est un type, un auteur extraordinaire. Et donc, je lui avais posé la question à lui, parce qu'il a vraiment, il avait vraiment des idées extraordinaire et surprenante. Et il m'avait répondu, écoute, c'est comme la poule aux œufs d'or. Si jamais tu lui ouvres le ventre pour essayer de voir comment ça marche et comment elle fait pour pondre, elle ne pondra jamais plus. Donc, je ne veux pas réfléchir à la manière dont ça se passe. Je ne veux surtout pas la comprendre parce que je suis persuadée que si je savais comment ça marche, je ne pourrais plus écrire. Bon, c'est pas pour me défiler, hein. Mais on ne sait pas trop d'où nous tombent les idées. Moi, l'actualité fait partie de ma vie, donc de toute façon, c'est des bribes de ma vie, c'est des moments de doute. Puis il y a des trucs, je ne sais absolument pas d'où ils viennent. Tu parlais de point de vue et de se mettre dans la peau d'un alien. Moi, j'ai quand même écrit une nouvelle où je me mets dans la peau du tas de sable sur lequel les humains sont en train de marcher quand ils débarquent sur une planète. Donc, c'est quand même un point de vue légèrement différent de celui d'un être humain. Ouais. Tu peux nous parler des sapinous? Les sapinous, oui. j'essayais de couper la sonnerie pour être sûre. Oui, ça c'est... C'est pareil, on m'avait sollicité, c'était ActuSF cette fois-là qui m'avait sollicité pour écrire une nouvelle sur une nouvelle dont le principe était pas de violence, pas de conflit. Oh là, c'est pénible ça. Moi ça m'embêtait pas trop parce que finalement il n'y en a pas tant que ça dans mes nouvelles. Je pense que c'est un peu pour ça que celui qui est venu m'en chercher, qui n'était pas Jérôme, qui était Laurent Gidon, je pense qu'il a pensé à moi aussi. Parce que c'est un peu ma marque de pâte de fabrique de ne pas avoir des méchants qui se tabassent tout le temps. Mais du coup, j'ai écrit une histoire de collaboration entre espèces, mais qui en fait est une histoire d'un type qui a faim et qui cherche quoi manger. Donc, et cette histoire, bon, moi je me suis beaucoup fait rire en l'écrivant. Je ne peux pas trop la raconter non plus, d'ailleurs elle est très courte. Mais il y a des sapinous qui sont des espèces locales qui, en gros, ressemblent à un sapin et sautent à cloche-pied. Et une fois que j'avais écrit l'histoire de l'explorateur sur sa planète, j'ai été invitée à faire une intervention dans un lycée où ma camarade Jana Debats faisait travailler les élèves sur la question du point de vue. Et elle m'avait dit, je vais la faire travailler sur la nouvelle avec le tas de sable, un amour de sable dont je parlais tout à l'heure. Parce que, en fait, j'ai une histoire racontée en alternance du point de vue des humains qui débarquent et du point de vue de Sable, qui est une créature intelligente dans laquelle les humains mettent le pied en arrivant et sur laquelle ils vont faire des expériences. Et elle voulait les faire travailler là-dessus et elle ne savait pas trop comment. Et donc, je lui ai proposé de reprendre cette histoire avec des sapinous, et qui était une histoire assez loufoque. Mais eux, les élèves, c'était engagé, mais je leur avais promis que je le ferais aussi de mon côté, à raconter l'histoire du point de vue des autochtones qui voyaient arriver cet explorateur convoyeur de myrtilles qui avait très faim et qui était un peu perdu. Donc, il ne peut pas manger ses myrtilles ? Il n'aime pas trop les myrtilles, visiblement, il a envie de manger autre chose. Donc les myrtilles, il leur trouve un usage qui... En gros, il va se peindre avec les myrtilles pour être tout bleu et ressembler à un sapinou, ce
qui lui permettra d'entrer en contact avec une autre espèce. Et... On a dit que c'était scientifique. Mais... Un bon exemple. Ce qui m'a fait rigoler, c'est que du coup, deux auteurs dans une voiture discutent et vous avez un peu le même élan dans l'écriture. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des gens qui programmaient toute l'histoire d'abord. Est-ce que tu peux nous... Alors, selon Francis Berthelot, on est classé en deux catégories, scripturant, structurant, ou les Canadiens disent plus joliment jardinier, architecte. Donc l'architecte, c'est celui qui va faire son plan avant de commencer quoi que ce soit, précis possible, au millimètre près. Il sait où il va. Il sait où il va, il sait ce qu'il va faire, il ne peut dire qu'au chapitre 7, ça sera cette chose, etc. Et puis il y a les autres, les jardiniers, qui eux arrosent. Laisse pousser l'herbe, l'écriture. Et c'est l'écriture qui impose. Moi, si je fais un plan, je suis mort. Enfin, le livre est mort. Quoi. Ça ne m'intéresse plus de l'écrire. Donc il faut que je découvre le livre en train de s'écrire, en fur et à mesure qu'il s'écrit, et que je laisse l'écriture organiser la logique du roman. C'est des fois, parfois, un petit peu angoissant, parce que vous ne savez pas où vous êtes, parce que quand vous commencez un livre, vous creusez une mine. Vous voyez ? Il y a la lumière qui vous guide, la lumière de l'entrée. Puis à un moment, vous creusez tellement loin qu'il n'y a plus de lumière, ni à l'entrée, ni à la sortie. Et donc, ça s'appelle le noir absolu. Et là, on est suspendu à son propre noir, et il faut se faire confiance. Et moi, parfois, j'avais une perte de confiance. Et quand ma femme était de ce monde, j'allais la voir et je lui disais, écoute, ça va pas le bouquin que je suis en train d'écrire, c'est vraiment n'importe quoi et tout ça. Il dit, oui, tu as raison, retourne travailler. Mais d'accord. je suis retourné travailler, puis je finissais le livre et le livre trouvait sa propre logique au fur et à mesure. Donc il faut se faire confiance en permanence dans ce système-là. Je suppose que les architectes, les structurants, ils ont besoin de se faire confiance avant. C'est-à-dire que s'ils ne savent pas où ils vont, ils ne peuvent pas commencer. Et j'ai discuté avec des gens qui sont des purs structurants, qui n'ont pas la même concept. Et ils ne peuvent vraiment pas faire autre chose. Donc c'est vraiment des natures d'auteurs différentes. Et je pense que l'intérêt, c'est de trouver sa propre nature, sa propre voie d'écriture, qui ne ressemble pas forcément à celle du bonheur. Moi, je peux raconter une anecdote là-dessus. Donc moi, je suis un jardinier comme Pierre, mais je crois qu'on est à peu près... quand on écrit des nouvelles, on n'a pas besoin d'être un architecte. Pas autant, en tout cas. Moi je l'ai rarement été pour des novellas où je savais vraiment assez clairement, pour Les yeux d'Elsa où je savais assez clairement ce que je voulais raconter et comment ça allait, comment les événements allaient s'enchaîner, là oui j'avais un canevas, mais là j'avais un projet impérieux, il fallait vraiment que je l'écrive cette histoire, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Mais une fois dans ma vie j'ai eu un projet d'écriture à quatre mains avec un petit camarade qui n'avait pas une grande expérience en tant qu'auteur, mais qui avait une super idée pour un sujet sur des bases scientifiques relevant de l'astrophysique, qui n'était pas du tout mon domaine. Et on avait vraiment tous les deux envie d'écrire ensemble. Mais on a été tous les deux incités à cause de cette idée de collaboration. Et puis, bon, c'est vrai que peut-être qu'il n'était pas très rassuré. J'avais une grande expérience de l'écriture, on a commencé à préparer complètement l'histoire. Mais en fait, on préparait pas l'histoire au sens structurel récit. On s'est mis à développer qui étaient les personnages. Puis on s'est mis à se raconter. On a dû s'échanger 70 pages de mails au moins, pour une nouvelle qui en aurait fait 30 pages. On s'est raconté leur vie, on s'est raconté... ce qu'ils aimaient comme musique, on a mis tout en place, le contexte, beaucoup plus loin que ce dont on avait besoin. Et puis on a tellement exploré ça sous tous les angles qu'après on s'est aperçu qu'on n'avait plus du tout envie d'écrire l'histoire. mais on avait déjà tout exploré, donc il n'y avait plus de plaisir. J'ai l'impression que les architectes ou structurants ont vraiment des problèmes avec l'écriture. Parce que c'est pas ce qui les intéresse. Non, mais j'ai discuté beaucoup avec... ce qui les intéresse, c'est de monter des structures. Donc après l'écriture, c'est l'habillage. Et c'est, pour nous, c'est le plaisir absolu de l'écriture. Pour eux, c'est la corvée, puisque le truc est fait. Et anecdote avec Alain, dont on a parlé tout à l'heure, Alain Grousset, avec qui j'ai co-écrit Gigante, on a créé une planète ensemble. Et moi, pour son grand malheur, c'est moi qui commençais l'histoire. J'étais avant lui, il devait faire son bouquin après mon histoire. Et lui, il me collait au basque.
savez. Et parce qu'il voulait absolument avancer dans son récit, mais il dépendait entièrement de mes informations. Donc il m'appelait tous les matins en disant « Alors là, tes personnages, ils vont venir quoi ?» Je sais pas. Il dit, bah non, on ne peut pas travailler comme ça. Il dit, bah si, moi je travaille comme ça en tout cas. Et puis il me dit, tu sais que je dois m'occuper du petit-fils après, donc il faut qu'il conçoive tes personnages. Tu prends moi ça quand? Je sais pas. J'attends le bon moment. Sans inspirer. J'attends le bon moment. Et c'est vraiment une très très grande différence. Je sais qu'il travaille avec Daniel Martin-Nigol, ils se répartissent les chapitres avant. Oui. Tu fais le 1, le 7, le 12, le 13, le 15, le 19, et moi je fais cela. Et lui, il aime bien les chapitres où il y a de la bouffe, en fait. Mais voilà, et c'est des natures tellement différentes qui sont incompatibles. Enfin, travailler ensemble, c'est simplement l'horreur. Parce que moi, je suis angoissé par ses coups de fil quotidiens. Et lui, il est angoissé par le fait que je ne transmets pas assez d'informations pour qu'il puisse structurer son récit. Donc bon, voilà, c'était une expérience assez marrante. Et il me dit, jamais plus je travaille avec la structure. Hein. Moi, j'ai jamais pu travailler avec la structure. Hein. T'as écrit beaucoup en collaboration? Alors, j'ai écrit Mission Mother avec Mélanine, où là c'était plus c'était très libre. C'était sur l'inspiration du moment, donc ça m'allait bien. J'ai écrit quoi encore? J'ai écrit aussi un truc qui s'appelle Graine d'Immortel, qui était un projet d'éditeur. Bon, faut se méfier des projets d'éditeurs, hein, Jérôme. Faut se méfier des éditeurs tout court. Parce que le projet d'éditeur, c'était des enquêtes scientifiques, enfin des thrillers à base de technologie. Et donc on avait un scientifique dans un certain domaine, moi c'était la biotechnologie, qui était adjoint à l'auteur pour donner des crédibilités à son récit. Et il y avait une bible de personnages, c'est-à-dire que tous les auteurs, on était 12 auteurs, devaient se partager les mêmes personnages. Et ça, c'était une contrainte assez redoutable. Qui a fait qu'il fallait à la fois se servir de ce qui avait été prévu par l'éditeur, c'est-à-dire le personnage tant, avec telle arme, avec telle comparse, et puis mettre sa propre création là-dedans. Donc ça a été une expérience assez étonnante pour moi. Une dernière question en tant qu'auteur. Le plaisir, c'est quoi? C'est de se raconter des histoires ou de raconter des histoires? Pour moi, c'est clairement de raconter des histoires. Je me raconte rarement des histoires à moi-même par le menu. Le plaisir, c'est quand l'histoire prend forme avec des mots et que les mots sonnent justes et disent quelque chose. Je vais vous dire un truc très bête, mais il m'arrive de relire des trucs que j'ai écrits il y a longtemps et d'avoir le plaisir du lecteur, tout bêtement. C'est la même chose. C'est pas comme si. Quand des textes qu'on a écrits il y a longtemps, on ne les relit pas comme pendant qu'on est en train de les écrire. On est très distancié. En même temps, on a un auteur qui vous parle particulièrement bien. À vous. Il vous comprend. On le comprend. Mais pour moi, le plaisir, c'est quand les histoires prennent forme, avec des phrases, avec des mots, avec une ambiance. C'est le plaisir du texte, c'est moi. S'il est très lié à mon plaisir de lecteur, c'est un texte, c'est comme les gens qui aiment la musique ont du bonheur à écouter certaines chansons ou certaines ambiances sonores. Moi, j'ai du plaisir par certains textes, par leur musicalité, leur ambiance, la couleur des mots. Et c'est le plaisir de produire ça, moi, qui est essentiel. Alors, je suis tout à fait comme Sylvie, c'est-à-dire que ce que j'aime, c'est raconter des histoires de façon la plus fluide et la plus réussie possible. Donc, mon travail à moi, c'est d'accueillir l'histoire qui me traverse et de l'accueillir par l'écriture. C'est le boulot de tous les jours, c'est le travail de construction permanent sur le roman, par exemple, c'est très très long parfois. Donc c'est vraiment le plaisir de raconter, le plaisir d'amener le lecteur dans quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, etc. Il y a toujours dans ma tête le lecteur au bout. Il n'y a pas que moi, il y a le lecteur qui est là. Non pas que j'écrive en fonction de ce que désire le lecteur, hein, mais en fonction de ce que le lecteur va ressentir. Et j'essaie de lui faciliter la tâche en ayant une écriture la plus fluide et la plus transparente possible. Je prends souvent l'image, la différence avec la littérature générale peut-être, attention s'il y a des amateurs de littérature générale. La littérature générale souvent fait des vagues à la surface de l'eau.
pour qu'on voit les vagues. C'est l'écriture, et c'est tout à fait noble en soi, je veux dire. C'est l'écriture qui est prédominante. L'auteur d'imaginaire, ou l'auteur, le conteur, lui va faire en sorte que l'eau reste très calme pour qu'on voit le fond. Donc c'est ça la fluidité de l'écriture, c'est que nous, conteurs, parce que je pense qu'on fait partie de la confrérie très ancienne des conteurs, c'est de faire en sorte que l'histoire soit le mieux perçue possible par le lecteur. C'est réussi. Comment ? C'est réussi. Ah ben, merci. On parle à moi ou oui. On se voit après, si vous voulez. Ça sera un grand plaisir. Et quand je relis le texte globalement, je travaille vraiment comme une partition de musique, on a parlé de musique tout à l'heure. Je traque les fausses notes qui pourraient sortir le lecteur, inconsciemment ou non d'ailleurs, de la lecture. Qui va pas. Comme les incohérences d'ailleurs. Une phrase qui ne sonne pas bien, ça décroche, hein, c'est horrible. Et tu parlais de l'érotisme tout à l'heure, et ça, alors là, le nombre de pièges qui guettent l'auteur qui écrit de l'érotique, c'est hallucinant, quoi. Parce qu'on peut faire sortir un lecteur en deux coups de cuillère à peau, c'est-à-dire en choisissant le mauvais mot au mauvais moment, ou en étant trop mièvre, en étant trop pornographique, ou en étant trop vulgaire, en étant trop plein de choses. Et donc ça fait partie du boulot, c'est vraiment un travail musical, je trouve. C'est joli de terminer par un travail musical. Est-ce que vous avez des questions ? C'est le moment. Mm-hmm. Oui, Claire. Vous avez parlé de l'actualité et de ce que ça pouvait inspirer dans votre écriture. Ça m'a fait penser à une phrase de Claude Ekenne qui dit qu'on ne parle bien du présent qu'en en parlant au futur. Ouais. Et c'est ce qui fait que pour moi, la science-fiction est une des littératures les plus engagées. Et je voulais savoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous vous sentez dans une écriture engagée ? Qui disait engagement ? Ah, complètement. Moi, je trouve que la science-fiction est la seule littérature qui parle vraiment du social. C'est-à-dire qui ne se préoccupe pas uniquement des individus, des humains. On parlait des émotions. Elle s'en préoccupe, mais elle se préoccupe beaucoup des sociétés, de politique, de systèmes. Et ça, c'est un vrai enjeu. Moi, je suis allée parler science-fiction aux Nuits Debout. Il y a des tas de connexions qui se créent partout, forcément, parce qu'on a des choses à dire sur ce qu'on vit tous, comme citoyens, comme sur ce qui se passe autour. Oui. Donc, oui, voilà. Alors, l'engagement. L'engagement, je me méfie beaucoup de ce terme, parce que... Comme je disais tout à l'heure, moi, le principe de base, c'est que je n'écrirais pas si je n'espérais pas, de façon très orgueilleuse, changer un petit peu quelque chose dans l'esprit du lecteur. C'est-à-dire faire déplacer son point de vue, simplement, même d'un millimètre. Quoi. En revanche, je me vois mal l'embarquer dans un système de pensée. Parce que tout fait, vous voyez, sur ce que devraient être les choses, ou comment devraient évoluer les choses. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si on peut trouver des visions, des solutions neuves, inusité en tout cas, qui ne soient pas des mécanismes très anciens qui se reproduisent et qui vont conduire aux mêmes catastrophes. Lisez La ferme des animaux de George Orwell et vous avez à peu près toute la description d'une révolution et de comment elle termine en général. Vous pouvez l'appliquer à la révolution française, à la révolution russe, à la révolution cambodgienne, à tous les types de révolutions. Donc c'est plutôt essayer de réfléchir ou de proposer au lecteur d'essayer de sortir des systèmes de pensée conditionnés pour essayer d'avoir des événements, de la vie, des choses, une vision un peu neuve. J'avoue que j'inclus la spiritualité là-dedans. Attention, ne partez pas, je veux dire. La spiritualité n'étant pas du tout la vision religieuse. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de libre et qui conduit à la liberté intérieure et qui permet peut-être à l'être humain de prendre vraiment conscience de ce que c'est l'être humain. Je pense qu'on n'a pas atteint l'humanité, on a parlé des post-humains l'autre jour aux utopiales en permanence, je pense qu'on n'a pas atteint l'humanité, qu'on pense déjà post-humanité, et je pense qu'il est urgent de retrouver l'humanité. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de faire dans mes livres, c'est de trouver l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité ? Une vaste question là qu'on n'a pas de réponse, très peu. Mais capable du meilleur et du pire. Pourquoi ? C'est quoi ces espèces de mécanismes qui nous poussent toujours à faire les mêmes conneries, à nous massacrer les uns les autres, au nom de Dieu, au nom de plein de choses différentes ? C'est quoi notre malédiction ? Est-ce que c'est ça le péché originel ou... Je ne crois pas au péché originel, hein, mais enfin, vous voyez, symboliquement, est-ce que c'est cette espèce de malédiction humaine à laquelle on n'arrive pas à mettre un terme, bien qu'on progresse sur le plan technologique, sur le plan scientifique ? On a les moyens de vivre beaucoup mieux, on est toujours dans des conflits, on est toujours dans des,
souffrance. Nous sommes par exemple les recordmans du monde de consommation de psychotropes. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? À quelle réponse on a, à quelle question on n'a pas répondu? Ou c'est quoi les nouvelles voies d'exploration de l'humain? C'est ça qui m'intéresse plus que. En ça, c'est peut-être un engagement, je ne sais pas, ou un désengagement, c'est comme la décroissance. L'engagement, je pense, c'est surtout réflexion et mise en alerte de certaines situations. Oui, ça, ça tout à fait d'accord. C'est vraiment fait pour faire réfléchir en disant, si on va dans cette direction-là, voilà ce qui risque d'arriver. On vous soumet à votre réflexion, faites ce que vous voulez avec, mais voilà ce qui peut se passer. On n'est pas forcément des prophètes de malheur non plus, enfin pas tout le temps, si. Pas tous. C'est bon. Non mais je le dis parce qu'il y a un certain nombre de gens qui a priori rejettent la science-fiction en disant « Oh, on va encore nous montrer des fins du monde, des apocalypses épouvantables. » C'est pas, il n'y a pas que en parlant d'une société qui court à sa perte qu'on peut parler ben, comme disait Pierre, de ce qui fait l'humain et de ce qui nous rend si difficile le fait de vivre ensemble en harmonie. Non, mais je disais par rapport à ce que vous disiez, que si on faisait déjà tout bien, est-ce qu'il vous resterait un prétexte pour écrire, justement? Oui, les utopies sont hyper chiantes à écrire. On n'est jamais content. Oui, voilà, c'est ça. Ça doit être. Parce que quand vous commencez un bouquin à parler de Furto et ils ont beaucoup d'enfants, ben, si l'enfant se danse pas derrière, vous allez avoir une histoire. Non mais c'est vrai, c'est, alors là je vais reprendre le mythologie et un mythologue célèbre qui s'appelle Joseph Campbell qui a écrit un essai qui s'appelle Le héros aux mille visages où il dit que si des héros se lèvent c'est parce que le monde va mal, il y a une disharmonie. Donc la disharmonie du monde sert à révéler les gens en fait. C'est pour ça que lui tu disais c'est pas toujours les fins du monde, les catastrophes, mais souvent c'est sombre parce que c'est dans le côté sombre qu'on va se révéler les. Après, il y a plein de sortes de science-fiction, parce que le space opéra, par exemple, qui, à mon avis, est le refuge du merveilleux en science-fiction, c'est différent. C'est plus mythologique aussi comme démarche. Mais dans la science-fiction d'anticipation, souvent, on se sert de l'anticipation pour attirer l'attention sur un problème particulier. Donc, on va noircir le problème, on va le grossir, c'est l'effet loupe, l'effet fourmilière, on est en haut et on regarde ça et on voit ça de façon globale. Et donc, on va grossir le problème pour alerter, c'est comme des cris d'alerte. Pour que les gens disent « Ah oui, c'est vrai qu'on peut peut-être faire quelque chose maintenant pour éviter que ça arrive. » Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Alors, je l'ai lu il y a 25 ans, donc je vais faire vite. Déjà, merci d'écrire en français. Ah, on a essayé pour un lecteur de SF, sortir de tout ce qui est anglo-saxon, donc du coup des traductions, voilà, de Neil Gaiman, Terry Pratchett, Dan Simmons, Chitana, tout ça. Ben, je vous ai découvert il y a 25 ans. Et moi, j'aurais aimé savoir, en fait, dans l'écriture de Wang, et puis dans les uchronies que vous avez faites dans l'Ojo mineur, etc., comment vous faites, parce que finalement, le lien, c'est l'humanité, mais dans l'ASF, et dans, comment dire, dans l'imaginaire. Et c'est cet équilibre entre l'humanisme et ce qu'on peut voir un peu dans la littérature classique. Pour moi, par exemple, Wang, quand on voit les barrières électromagnétiques, j'ai repensé à la condition humaine, Malraux, quand ils sont condamnés et qu'ils cherchent le cachet de cyanure dans le plâtre. Voilà. Moi, ça m'a fait penser à... Voilà. Donc, en fait, moi, inconsciemment ou consciemment, j'ai l'impression de retrouver une culture à la fois scolaire, mais également une porte d'ouverture. Et quand vous me dites, ça me paraît hallucinant que vous commenciez sans savoir où vous allez, alors que si je prends l'Ange Mineur, on commence et en 1792, vous faites une uchronie dans le passé, donc quand même c'est assez fouillé, c'est assez élaboré. Et comment au milieu de cette